Dans la rubrique invité du jour, ce matin, mon invité Peterson Benjamin Noël, ambassadeur d'Haïti près de la CARICOM. On va essayer de comprendre ce que Haïti peut bénéficier des avantages offerts, en termes d'avantages évidemment offerts par cette structure. Est-ce qu'on produit? Est-ce qu'on ne produit pas? Est-ce qu'on peut bénéficier des barrières tarifaires? En quel sens? À quel niveau? Qu'est-ce qui peut être fait? Autant de questions et à aborder avec notre invité ce matin. Merci à Monsieur Noël de s'être mis disponible pour nous ce matin. Merci à vous d'être fidèle à l'écoute de cette rubrique. Valérie Numa à l'antenne. Bonne écoute à chacun de vous. Peterson Benjamin Noël, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour, bonjour Valérie, bonjour à tout auditeur. C'est un plaisir pour moi partager quelques informations. Que je pense que c'est utile pour le pays, utile pour décider en politique. Je souhaite d'être en bon débat. Oui, tout à fait. Alors, et le ou gagner une responsabilité comme ambassadeur d'Haïti près de la CARICOM, et qui s'apporte ça à représenter en réalité? Bon, pour me présenter rapidement, il y a une particularité de gagner pour ça, c'est que et tout ambassadeur CARICOM est pratiquement itinérant. Ça veut dire qu'ils vivent dans le pays yo, et ils ont plus facilité une bonne relation entre le secrétariat CARICOM et le gouvernement pays qui eux-mêmes représentent. Et ils ont rencontré régulièrement, et puis prochainement, on réunit pour faire une réunion des ambassadeurs de la CARICOM qui a fait tomber. Et côté que ils réunissent régulièrement pour être capable de faire suivi ensemble des décisions chef d'État au point, ou du moins le ministre au point. Et concernant le commerce, concernant des dossiers qui concernent les régions. Dans quel niveau il y a challenge entre différents pays SAIO et qui en dans la structure CARICOM dans les mêmes pour que vous regardez qui est capable de saisir avantage que ce que tu as offert? Bon, et pas oublier, les pays Caraïbes sont ensemble de petits pays qui ont et l'un des petits pays, non seulement en population, mais en territoire. Et ils ont réalisé que ils n'ont pas jamais capable de rentrer en concurrence avec grand pays si on va mettre les forces ensemble. Et c'est une raison. Et depuis bien avant 1972, j'étais créé, sacré les caractères, côté qui était le groupe IO, et peut-être à faire face à la concurrence mondiale. Et c'est ça qui fait que par la suite, j'ai créé le sacré l'organisation, créé les CARICOM. Haïti, nous-mêmes, nous sommes membres depuis 2002, sous traversé dans ça, puisque c'est le plus concerné, nous. Et depuis 2002, pardon. Mais depuis 2002, non plus, participé, et plutôt dans le volet politique, dans la réunion chef d'État, etc., même pas vraiment profiter, et qui ça qui a fait au niveau de commerce, surtout de commerce de marchandises. Et côté que Haïti, malgré la situation qu'il y a là, et si nous organisons peut-être nos biens, nous capables, et plus compétitifs. C'est vrai que chaque pays qui est dans la CARICOM, là, regardez qui est capable de bénéficier de l'avantage que la structure ça lui offre. Moi, je suis certain que depuis que la CARICOM est créée, il y a des pays qui sont bien sortis de tête. Qui est dans le pays qui est bien confortable en la CARICOM aujourd'hui, à la lumière de Chifio et Benjamin Noël? Bon, à la lumière de Chifio, pays capable de bénéficier confortable, et c'est surtout Trinidad et Tobago. Et on descend plus bas, on prend Jamaïque, on prend Guyane, et ensuite Suriname, Barbade. Raison qui fait ou c'est qui plus confortable, c'est parce que c'est pays ça surtout c'est pays qui plus développé na CARICOM là, et il y a un niveau d'industrie qui est très avancé. Par exemple, Trinidad, on connaît qu'il y a des pétrochimies, ils ont un centre d'industrie là, Kaili, et couler d'électricité Trinidad est pratiquement, et 10 fois moins cher par rapport avec le coût qu'a pratiqué au niveau régional. C'est un pays qui pratiquement, qui vient plus avantage dans la CARICOM. Et c'est une raison, que le chef d'État a été pensé que, il faut diviser les régions en deux. Et deux, il y a un groupe de pays développés et un groupe de pays moins développés. Haïti n'est pas en situation économique, positionnement économique, mais nous fait partie de groupes pays moins développés. Et qui vient dans nos avantages, qui est capable de faire que nous avons à l'intérieur même de ce régional-là, nous avons d'accès préférentiel, côté que nous avons un ensemble de produits qui que nous-mêmes nous avons protégé de nos propriétaires de Tobago, qui vont ensemble en termes de compétitivité, qui vont ensemble d'avantages que nous-mêmes nous pas gagnés. Ça veut dire que
on prend par exemple les boissons gazeuses, les spaghettis, etc. sont ensemble de plus d'une trentaine de produits. Nous-mêmes, on, des pays comme Haïti, capables de décider, mettre des droits de douane sur eux, tandis que Trinidad lui-même pas de droit pour mettre des droits de douane sur des produits ça qui est lui-même importé. Tout ça, c'est des bagages que on mettait dans USA et pour éviter toute forme de discrimination, nous mettait une sorte d'accès prix financier ça à l'intérieur même de CARICOM. Mais est-ce que quelque part, et c'est pas avantage encore que nous-mêmes y a besoin au détriment de Haïti, d'autant que nous-mêmes n'avons pas produit? Écoute, la question de ne pas produire, la dernière fois, je vais répondre sur l'autre station, sur, c'est un discours que nous avons répété longtemps. Mais même pas dans la catégorie où nous avons produit ça, dernièrement, je critiquais le président de la République, le fait que la visite une entreprise qui fait pas de tomates deux fois dans moins qu'un mois. Ça veut dire que c'est parce qu'il y a un produit qui fait qu'il y a visité. Le problème qui se pose surtout, c'est au niveau des normes que nous pas respecter. Et je rappelle que nous avons une loi qui pour créer le Bureau national des normes qui est au Parlement, qui n'a pas jamais voté. Nous avons encouragé les parlementaires à faire ça. Et surtout en quantité. Ça veut dire que le travail que nous faisons, c'est surtout là pour nous faire. Mais comme je pense que nous avons l'opportunité dans l'émission pour nous parler. Et raison fait qu'on a parlé de nouveaux produits, parce que Haïti, nous avons produit, peut-être nous avons produit en quantité, et nous avons besoin au minimum de mesures pour être capable de passer de un stade de production artisanale, de production à faible et quantité, et pour être capable de lancer nous en production à grande échelle. Oui, mais quand même, je crois que nous avons dit production. Pas un élément fondamental, quand même. Parce que, quand même, si pour nous parler de devises, pour nous parler de rentrée, il faut nous qu'à produire, c'est pas seulement pour que nous avons porté, certain. Non, Valérie, la situation que nous avons vu aujourd'hui, à côté que nous importons plus et que nous produisons, et c'est pas une situation qui est faite de façon automatique. Nous construisons. Et nous prenons le temps nécessaire, pour on peut, nous prenons le temps nécessaire pour nous-mêmes. Nous vivons dans la situation que nous y aujourd'hui. Et sous permettre, selon mon titre, je suis capable de bref historique. Pendant que, après la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, le monde d'accord que pour ne pas résoudre la question de crise, conflit par la guerre, et je dis qu'il y a créé un ensemble de structures internationales. Nous, les Nations Unies, nous, et toutes les organisations internationales, institutions britanniques, et bon, l'autre structure qui a été créée pendant la période de ça, qui est le GATT, qui c'est l'accord général sur les marchandises. GATT, là, lui-même, objectif, c'était faciliter le commerce, à accélérer sa libre-échange au niveau mondial. Et maintenant, au fil du temps, nous voyons que les problèmes de discussion avec au niveau de commerce, etc., la discussion va me finir. Et on a pris une décision à partir de 1946 pour convertir sa GATT, là, en Organisation Mondiale du Commerce, et qui, négociation, va finir en 1995. Mais pas oublier, le monde prend 10 ans, environ 10 ans pour dresser, faire sa architecture mondiale du commerce. Je dis à la fois que nous-mêmes nous utilisons pour nous faire business, pour faire commerce, marchandises et services-là, il y a eu 10 ans pour te mettre en place. Pendant temps, ça, par rapport, ou même vous en Haïti, vous connaissez bien, nous-mêmes nous activons ça que le sport national, crise politique. 86, départ de Claude Duvalier, 87, 91, nous avons ensemble le gouvernement d'éphémère que nous créons. 91, un gouvernement élu, 9 mois après, au président élu, 9 mois après, 7 mois, 7 mois, 7 mois. 7 mois après, un coup d'État, pardon. Ensuite, nous prenons, 6 mois après, nous prenons un embargo. Et embargo, ça, c'est une bagaille qui fait que nous initions dépendance d'Haïti vis-à-vis de la République dominicaine. Et en 94, pape retour à l'ordre constitutionnel. Et nos amis qui facilitent tout ça, pour venir avec dossier que eux-mêmes ont pris 10 ans pour la suite, ils ont dit, bon, Haïti, écoutez, là, nous suspendons de faire des ordres, nous avons un gouvernement constitutionnel qui retourne à l'ordre constitutionnel. Dossier, ça, faut que Haïti intègre. Et ce qu'on a fait en 1995 pour intégrer l'Organisation mondiale du commerce qui était créée, nous prenons tarif douanier. Tarif douanier, c'est environ 4500 lignes produits. 4500 lignes produits, téléphone qui ne m'a pas utilisé par avant. Nous ne pouvons pas commander en français ou en anglais, même pas commander en chinois. Nous utilisons ça pour le code tarifaire, un système harmonisé, pour que nous utilisions des codes pour n'importe qui peut trouver dans le monde pour nous utiliser, pour nous connaître que ça, c'est un téléphone. Dans le monde du commerce, il y a environ 4 000 à 5 000 lignes comme ça.
Et l'autre pays, pendant 10 ans, qui a négocié avec, négocié pour créer l'Organisation mondiale du commerce, qui ça a été fait vous-même, vous êtes allé ligne par ligne, évaluer le potentiel. Est-ce que je peux produire l'aide? Est-ce que je ne peux pas produire machine? Si je peux produire l'aide, je vais protéger l'aide. Si je ne peux pas produire machine, je vais libéraliser machine. On paye le Canada qui est champion de libéralisation, mais le champion tout dans la production de produits laitiers, etc. Il protège la machine à 225%. Et c'est un exemple, Donald Trump, il monte comme président, il dit Canadien qu'il n'est pas possible pour payer au Canada à côté de la protéger le marché produits laitiers là à 225%. Maintenant, qui ça nous-mêmes nous fait et nous choisissons, comme nous ne pouvons pas aller dans 2500, 4500 lignes tarifaires, 5000 lignes tarifaires, nous, nous réduisons en 4 lignes. Et nous prenons son loi atelier qui vaut 4000 qui peut dire 4000 produits, forcément. Non, nous prenons 4500 lignes tarifaires là. Mm-hmm. Nous prenons loi réduite en 4 lignes. Et c'est une loi pour moi qui a accès à mon météo. C'est loi du 15 février 1995. Côté que le Dion Barakis Saint. Tout produit qui était taxé à l'époque entre 0 et 10% passe à 0. Tout produit qui était taxé entre 10 et 20 passe à 10. Tout produit qui était 20 et 35 passe à 15. Et tout produit qui était 35 à monter passe à 35. Et nous avons dit à la 7. Et qui s'en vient réaliser, parce que sous pas les fait des analyses pour regarder ce qui s'est passé effectivement, loi là en détail, nous avons libéralisé l'économie haïtienne à plus de 80%. Parce que déjà à l'époque, avant 1991, face à la crise économique, nous avons déjà commencé à baisser les tarifs douaniers, tarifs appliqués, je veux dire, tarifs douaniers. Mais non seulement ça, dans l'article 2 et moniteur qui publie le 15 février 1995, bon bagage qui est les tarifs consolidés. Tarifs consolidés, c'est un internet, mon producteur, c'est un niveau de tarif qu'on ne doit jamais dépasser. Et dans le langage commerce et économie choisie, son tarif de protection. Un monde qui est en production, il est capable de dire OK, gouvernement, protéger la production bien, ça va faire, par exemple, par une, pour protéger pour moi à 80%. Mais cela ne veut pas dire que l'État haïtien pourra appliquer 40% sur lui. Et pour la preuve, je dirais que pour farine, par exemple, on va utiliser environ 3%. Mais cependant, lorsque le gouvernement qui n'a appliqué son ensemble de mesures, qu'il s'agit de réduction pour l'électricité, accès à l'eau, etc., nous voyons que le bien importé est beaucoup moins cher que le bien produit localement. L'État est capable de décider pour lui que lui augmente les tarifs pour que lui soit capable de bailler une certaine protection. Là encore, dans l'article de moniteur, là, qu'est-ce que nous fait? Nous consolider. Ça veut dire tarif qui plus haut qu'une barre de dépasser, hein, nous mettons là 0 pour environ 60% de produits qui a été importé. Environ 60%. Je dis à là que c'est ça fait que nous conséquences que nous avons vu, je dis à là, nous importons pratiquement tout. Et qui ça fait? En 1995 à 1998, souvent de toute économie, ce qui a été passé, on va dire que c'est ça, plus fort industrie nous fermée. Industrie de production de biens fermée. Non, vous savez, vous connaissez ça, dans la zone où vous avez la cavale, etc. Vous avez des productions laitières, etc. Vous avez des bourris du sud, vous avez Fakolef, etc. Vous avez Fakolef, vous avez Asco, même, vous avez un contrat. Massé jeune, même, vous avez un contrat qui est porté comme. Vous avez. Vous avez Central de Saline, vous avez tout. Central de Saline, nous avons ensemble dans le bouillon d'industrie qui a fonctionné, qui a un problème, parce que vous avez fait face à cette crise-là. Mais ça, vous me défiez, c'est juste encadrer nous, mais nous libéraliser. Mais avant qu'on passe. Vous même pas de capable d'anticiper. Attends. Qui est-ce que tu as fait pour nous anticiper? Puisque quand même son choix. Et le n'apprendre non bagaille, par exemple, l'heure de la toi frappé. Et monsieur est certain que des gens qui étaient capables de dire attention, où tu apprends, pas quoi c'est meilleur voir. Qui est-ce que fait d'après ou pas tant de voir ça? Allez, et je ne pas qu'on est-ce que c'est des gens qui ont dit qu'ils voient. D'ailleurs, c'est ça fait matin, un grand type de capet n'a dit. Et l'administration a choisi pour faire autrement. Parce que ce qui arrive entre l'État haïtien et surtout le secteur privé, avant de dire ça, politique commerciale, c'est l'accès à l'affaire du secteur privé. Depuis l'État haïtien a pris une décision sur politique commerciale, il y a un impact direct sur le secteur privé. Mais ce dialogue qui a dû être entre le secteur privé et l'État, c'est pour un bagage qui est pratiquement initié
véritablement zone 96 côté commencer à parler etc. Je vous dis à là pour être des formes économiques, il y a des capacités, ma activité conjointe, et c'est ça ma concept. C'est une décision qui est pratiquement prise et non et anonyme, côté que le monde n'est pas vraiment au courant de cette passion. C'est jeudi à là nous commençons à avoir un cap là. Mm-hmm. Les conséquences que nous avons senti. Pardon, conséquences. Mm-hmm. Ça me dit avant que vous passiez ma question. On prend les minoteries d'Haïti. Avant 1995, nous avons produit farine. Nous tous connaissons que la gestion est complètement tout plus alte, pas correcte, etc. Il y a des problèmes. Mais qui s'est fait? Le pour intégrer l'Organisation mondiale du commerce, nous consacrons les blé dur. Blé dur, c'est seulement minoterie qui importe blé dur en Haïti. Blé qu'une consomme pour la population capitale demain, blé qu'une consomme, ce n'est pas lui-même que moulin a utilisé pour faire farine. OK? Maintenant, l'un prend décision, ça, qui s'en fait, nous choisissons parce que c'est qu'on question de chercher l'argent. Et pas oublier que la décision s'apprend dans la même période côté que l'État haïtien choisit de retirer et question de 5 gouttes pour un dollar officiellement. Ça veut dire que nous avons commencé à appliquer taux de change. Et dès que le fait qu'on taxe ces produits par rapport avec un nouveau taux de change, c'est une question de revenu. Et l'État haïtien a commencé à besoin de revenus par rapport avec les crises économiques qui ont gagné en bas, etc. Nous décidons de façon unilatérale, sans réfléchir, retirer tarif sur les farines importées. Ça veut dire que nous passons tarif, taxe, droit de douane appliqué, ni droit de douane de protection, ça veut dire les tarifs consolidés, nous passons à zéro. En même temps, nous passons tarif sous produits durs là, que Mounet et les minoteries d'Haïti qu'on utilise pour faire farine là, à 5%. Décision ça simple, que ça veut dire? Nous rendons minoterie d'Haïti et vigny 5% plus cher et nous transférons 5%, nous faisons produire un produit à 5% moins cher en Haïti. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils sont venus faire et nous voyons que minoterie vient fermer. Et c'est même bagarre à faire dans le sucre, c'est même bagarre à faire dans le ciment, c'est même bagarre à faire dans le fer, c'est même bagarre à nous faire dans le. Mais si calcul là, t'es aussi évident. Et Peterson Noël. Mais qui ça qui explique, je retourne sur la question, qui ça qui explique que pas de gagner, d'accord, des gens qui étaient avec une sorte de klaxon, qui a dit attention, côté de Bralé, pas bon. Mais ça me répète encore pour vous. L'État n'a pas gagné l'habitude de travailler avec le secteur privé. Nous pas gagné l'habitude, c'est combien là, nous pas gagné 10 ans de commencer à faire ça, depuis l'existence du pays. C'est-à-dire que communication, consultation entre la société civile et l'État, lorsque l'État prend une décision, nous n'avons pas l'habitude de ça. Ça veut dire que même lorsque deux, trois personnes qui étaient avec l'action, nous étaient pensés que les gens étaient fous. Oui, nous avons rencontré des gens, nous n'avons pas cité le nom de personnalité, mais il y a des gens qui étaient surtout des intérêts qui étaient dans la production de biens agricoles, de biens et semi-industriels qui étaient sommés. Mais ils étaient pensés que. Parce que l'idée à l'époque, c'était ça d'Haïti, le Singapour de la Caraïbe. Singapour. Regardez ça que Singapour, là, son pays, que l'activité économique est résumée à 90%, surtout dans le secteur service. Il y a même une production, il y a dit une production, on fait service. C'est ça que vous voulez faire Haïti. Ça veut dire, à l'époque, même si c'est un brouillon, le monde qui voulait dire que bah, ça a mené notre foi, il va t'attendre. Mais de manière émotionnelle, et Gonjan est arrivé sur mon yo. D'abord, Mkadjou, dans la période Zaha, et on dit 87-88, le Zaha ou gagné et produit qui a envahi le marché sérieusement, et toilette canation avoine pour 5 gouttes, et ou gagné du riz pépé, ou tout le cas était bien rentré. Et là, ça m'a estimé les jeunes manger pour le manger, et puis comme nous avons bamboche, comme si tout le monde ouvri, population. Très certainement, si tu as des gens qui t'ont venu, qui t'ont attiré l'attention, comme Simdadou, qui t'ont décidé de prendre ça comme cheval de bataille, tu as des mal où elle veut. Allez, et diriger ou pas diriger un pays à émotion. Ok, l'autre dirigeant, ou du moins l'autre dirigeant entreprise, quel que soit ça, il n'y a pas qu'à diriger la émotion. Et effectivement, le peuple là, l'un qui prend décision pour te baisser ou tarifier, les prix pour du revenir, ce n'est pas le peuple qui a demandé nous ça.
c'est parce que nous faisons face à des crises économiques. Et Dieu commence à diminuer. Les filles pas oublier, n'a fait sport national, nous, ce qui c'est crise politique, n'a pas battu entre nous, n'a fait coup d'État, n'a fait des autres manifestations. Activité économique est mouillée. Abdou, ou pas de l'autre choix, c'est soit de camper, faire des audios, ou du moins importer. Malheureusement, au lieu que nous fassions le choix, c'est plus facile là, qui c'est camper, faire des audios, nous prenons ça plus difficile là, nous choisissons d'importer des produits à bon marché et financer les économies étrangères. Mm-hmm. Et Kounia, et je dis, on n'a pas des conséquences, et nous, nous clair que, une barrière qui vous a fait, c'est, goumen, pour que nous remettez au sous-pied. Maintenant, qui ça fait que c'est extrêmement compliqué pour que, malgré l'argent que soi-disant injecté dans différents secteurs, et Benjamin Noël, et que nous pas arriver justement permettre que, industrie ça a eu remembré. Nous pas permettre que par exemple nous relancer production et à partir de gros investissements pour que au moins nous nous retourner dans niveau que nous étions en attendant que Dakadi nous fait des coffres là. Qui ça bon, qui ça obstacle yo? Non, obstacle c'est ça que ou même qui gagne hôtel na Tampere sont qu'on est comme obstacle c'est yo gagne. Même m'a dit l'autre barrière qui pisse. On regarde l'investissement qui fait dans le pays pendant 10 dernières années. On voit que tout gros investissement fait dans le domaine du service. Mm-hmm. La télécommunication, etc. C'est là où on fait. Pour qui ça? Parce que production de biens et de services fait des exigences. Pour mettre l'industrie, pour faire bien, pour faire agriculture, pour des exigences. Exigences sur qui ça aurait? Forte l'eau disponible. Je dis à tout, on a parlé de gestion de l'eau, c'est un bagage qui est capital, il faut que l'eau disponible. Il faut que soit plus de technologie à disposer, il faut que route fait. Il faut que nous avons ensemble des mesures que nous prenons, laisse ça, coût de production pour entrepreneurs pour aller soit dans l'industrie ou dans l'agriculture, vient tellement bas pour être capable de faire concurrence à produits importés. Pas oublier, au niveau mondial, même lorsque vous avez que des libre-échange à fait, il y a 11 secteurs côté que les presque tout le monde d'accord sur lui, bien qu'il y a fait effort pour retirer lui, que l'agriculture n'est pas doué un secteur qui est libéralisé. Il y a des pays, les grands pays, les États-Unis, les groupes pays de l'Union européenne, ils ont dit que l'agriculture est son secteur, même qu'à dire de sécurité nationale. Et nous, est-ce côté que aller? Parce que le jour que mon pays n'est pas capable de produire, pour bailler le manger là-dedans, au sujet à n'importe qui d'ailleurs. Et c'est ça qui fait que, comme agriculture, le plus souvent, par un secteur agriculteur eux-mêmes, ça veut les fameux en anglais, ils n'ont pas, dans situation pour eux-mêmes, ils sont capables de faire concurrence, l'État obligé venir avec surtout subvention, ou du moins des encadrements. Et sans ça, l'agriculture n'est pas jamais rentable. C'est ça qui fait que, en 2012, lorsque nous-mêmes nous identifions le problème, ça va nous voir que. Et problème ça qui ça vient de passer, nous prenons décision côté que nous premièrement nous analyser l'impact là, nous dit que et conséquences, nous dit que mais qui ça se passe en 1996, est-ce que PIA va continuer comme ça? Nous tout en dossier avec dossier ça, nous avons une approbation de l'administration qui est là à l'époque là qui bat nous OK, nous aller au niveau de l'OMC, nous travaillons avec l'Organisation mondiale du commerce qui bat nous approbation tout. Et dossier techniquement est bien préparé. Deuxièmement, nous soumettons, pas oublier, pour renégocier au niveau de l'OMC, ça prend 5 étapes. 5 étapes là, c'est le premier, on dit, nous faisons carré de charges, OMC dit d'accord. Parce que qui s'en dit OMC, nous dit OMC 1. Situation ça est intenable, nous ne pouvons pas continuer comme ça, parce que dans l'état pays, ça y est, je vous dis à là, nous ne pouvons pas continuer que pour nous, premier pays après les États-Unis dans l'hémisphère là, qui est plus libéraliste. OK? Maintenant, le dossier a finalisé, il est préparé. Et le 3 février 2017, l'Organisation mondiale du commerce communique à tout pays dans le monde pour dire que la République d'Haïti est prête pour lui renégocier ce qu'elle a négocié avec le monde-là en 1995. Maintenant, tout pays a eu environ 90 jours pour réagir. Et à partir de 90 jours, nous avons deux options. Si pas un pays qui réagit, nous avons adopté. Et si il y a des pays qui réagissent, qui savent que nous allons faire, nous allons rentrer dans des négociations bilatérales. Et dans les négociations bilatérales, là, nous allons aller s'accueillir
et nous allons faire des consultations informelles pour que nous finissions par en liste. Automatiquement, nous finissons d'accord. OMC encore après un document ça avec travail limité dans formule et communiquer bas le monde pour dire mes nouvelles listes de concessions tarifaires et liste ça est constituée d'environ 900 lignes tarifaires et majorité là-dedans c'est surtout des produits agricoles et des produits industriels. Qu'est-ce qui est impliqué dans le choix ligne? Et pour bien dire de 2012 dans le bail à la carte à commune, de 2012 à 2017, nous passons trois présidents. Et environ cinq ministres de commerce et autant de ministres des finances, même si on si n'a pas gouvernement, même si c'est le même monde qui est toujours là. Et heureusement, équipe de travail qui est là, toujours là. Et c'est une chance que nous avons avec le dossier ça. C'est-à-dire que nous survivons pendant tout le temps ça, et dossier après. Et pas oublier, l'un des initiés de CIA n'a pas de faire erreur qu'il était fait en 1996. Pour mieux parler qu'il était fait, nous consulté à Adi. Et ma, je dis à la, mon activité qu'a fait dans l'hôtel Montana, côté Adi, pour qu'elle présente le projet et faire des débats pour nous garder qui est intérêt qu'il y a pour la dame. Nous te consulté pour, nous te consulté société civile là, lui-même dans son ensemble, monde qui était concerné surtout par modification ça. Mais malheureusement, nous avons deux ans pour nous élire président de la République. Nous faisons 2015-2016, nous avons gaspillé, nous faisons élection et crise politique, qui veut dire que le dossier lui-même lui retardé. Et c'est ça que fait avec la nouvelle administration. Hein, nous relancer et nous espérer que le dossier va finaliser avant le par exemple, nous vivons dans la phase, Peterson, Benjamin Noël, côté que nous avons essayé d'évaluer. Et nous disons, nous, OK, production. Production nous fin détruit net, presque réduit à zéro. Majorité moun ki ta gen droit intéressé dans question production, yo plus quoi dans importation et yo vinn mettre dans sachet ici, yo vinn mettre dans sac qui acheter tout bail en vrac et cetera. Et qu'on y a ta supposé gagner n'ta ka di des incitatives pour permettre que moun ki vle investi dans production pour que yo senti que yo le plus ou moins confortable. Et qui gros effort qui fait dernière année ça yo pour que au monde qui pral investir dans production pour senti que le gon bon accompagnement de l'État. Valérie, on parle de deux questions là, on parle de production en même temps sans pas dire on parle d'importation. OK? Maintenant, le pas parler incitatif yo, ça que n'a fait comme incitatif yo, c'est pas nous même qui inventé, c'est en pile fois, c'est des bagages qui existent déjà dans le monde. C'est la République dominicaine a fait, c'est la Jamaïque a fait, c'est les États-Unis a fait, etc. C'est lui-même, nous-mêmes, n'a pas essayé tant de faire. Pas oublier qu'avec tout problème que nous avons, problème institutionnel, le Parlement n'a pas voté de loi, le gouvernement a changé, etc. La population n'a pas compris et tout ça, n'a toujours une situation que n'a pas rattrapé. C'est ça qui fait que moi-même, focus PAM et groupe de travail que nous faisons partie de là, nous devons mettre focus là sur ça, parce que, un, pas de monde qui est occupé de ça. Parce que la priorité, ce n'est pas important. Et deuxièmement, pour me changer ça, on va prendre combien de temps ça prend. Ça prend de 2012 à 2017. Mais pas oublier, pour me prendre une décision pour me réduire le coût de l'électricité, c'est un ensemble de décisions administratives. Côté qu'à travers le budget, bon, nous prenons des décisions, nous forcément nous réduire le coût de l'électricité, nous changer le moteur, etc. Faire route, si vous mettez dans le budget, cherchez pas pour faire route. Réduire le coût et technologie, l'eau, c'est capter de l'eau. Ensemble de bagages qu'on fait. Mais là, on fait tout ça. On parle de la République dominicaine qui a fait même bagage. Jamaïque a fait même bagage, les États-Unis ont fait même bagage. Ils ont mis à battre pour du coup. Mais lorsque on même, à travers un texte de loi, on dit que moins par cas par producteur national, aucune forme de protection, là, on pratiquement tuer tout ça qu'on a fait par, dans l'autre secteur. Pas oublier, on fait ça faire pour encourager la production nationale. Mais on fait tout contre la contre l'importation. C'est-à-dire qu'on a une situation pour rendre producteur local moins cher par rapport avec importateur. Mais pas oublier, le gouvernement paye importateur, il y a fait même barrière là tout. C'est-à-dire que si vous-même, l'offre fait ça, ou pas certaines protections, soit à travers les tarifs, ou bien avec d'autres mesures non tarifaires, ou bien problème. Ou mais sorti là, c'est des bagages théoriques à savoir ça que tu as supposé faire. Non, mais on va parler de ça que tu as supposé faire. Mais sorti que tu as supposé faire, tu m'as fait un peu pas fait. Non, Valérie, ça m'a parlé d'un cas pratique. Moi-même, je m'invite à aller sur le site OMC à Well. Parce que ça, même, je me focus là. Fond route
nous avons pris une décision, c'est même genre pour décider de marier. On prend un exemple qui en dehors de, par exemple, de décision financière. Là. Si vous décidez de marier avec un fils pour aimer, ça prend au maximum en Haïti un jour, mais deux jours pour marier. Mais faites confiance. Si vous décidez de divorcer, ça prend pour lui un an. Ah, mais c'est exactement ça que nous avons vu aujourd'hui. L'un de prendre décision, nous mettons signature, un bon document pour nous dire que nous ne pas doué par les producteurs locaux, nous, aucune protection en 96. Pour défaire ça, je dis à la, nous mettons après 5 ans. C'est-à-dire que, vous avez construit une route, vous avez changé le moteur, vous avez fait toute qualité de bagage, mais sous pas par les producteurs, surtout pour les producteurs agricoles. Protection, ça, que vous besoin. Mais Samdoula, oui, c'est Samdoula. Ouais, malgré ou dit, faut que tu as par producteurs, protection, etc. Mais quand même, à la bio, c'est et infrastructure, mais que nous, malgré tout, nous pas fait. Comprenez bien, oui? Ça veut dire que le problème vient situé à plusieurs niveaux. Nous avons supposé être capable de résoudre le problème infrastructurel, parce que nous avons fait investissement. Malheureusement, c'est pour penser à route là, c'est pour penser à de l'eau, c'est pour penser à énergie, ainsi de suite. Et puis, deuxième volet, qui c'est justement protection que l'a cherché que le page maintenant. Mais au moins, ne serait-ce qu'au premier niveau, si nous défendons une intervention dans le premier niveau, quelque part, mon intégrité doit au moins sentir que qu'on effort qu'a fait. Bon, moi d'accord, avant, pas oublier que moi-même, je travaille dans le secteur. Pas qu'à intervenir de façon globale. Moi-même, je connais que j'ai des efforts qu'a fait. Et surtout, au niveau de l'administration, ça a des efforts qu'a fait. Le président Jovenel Moïse a annoncé caravane, etc., et qui va lancer à partir de 1er mai. Mais pas oublier. Je dis à là, pourquoi tout le monde a parlé, quand c'est une information qui se passe en Haïti, malheureusement, nous occupons dans la question, surtout des débats politiques. Et je remercie au matin, et depuis la semaine dernière, moi, que on puisse mettre focus sur l'économie, parce que nous avons besoin de ça. On change, on commence à changer le débat en Haïti. Je dis à là, nous avons ensemble d'entreprises qui, malgré les conditions que vous avez parlé, il y a exporté. Haïti a exporté comme fesse. Haïti a exporté des matières plastiques, ça que nous recyclons dans la rue. Haïti a exporté magot. Nous avons ensemble de produits que nous-mêmes, nous ne pouvons même connaître que nous avons exporté. Mais pas oublier. Et bien, on a cas que. Oui, mais qui ça le représente, oui, en termes de. Sous balance commerciale, là, qui ça le représente? Sous balance commerciale, là, les pocos représentés en un, parce que c'est un ensemble d'embryons des mondes qui courent dans le pays, qui décident d'investir. Et je vous dis que les gens, ils voulaient que l'État encadre. C'est ça qui fait que. A dit après activité à matin. Parce que c'est pour la première fois que il y a un ensemble de décisions que l'État prend qui pas seulement toucher ça que tout le monde a connu. Parce que si on n'a pas les matins, ce n'est pas des débats qu'on entend de tous côtés. C'est des débats qui sont un peu techniques et faut faire avec tête reposée. Mm-hmm. OK? On prend le cas de l'entreprise qui a fait matière plastique. Là. Et on a parlé de CARICOM avant. L'entreprise a exporté et vers la Jamaïque des produits en plastique. Des produits et transformés en plastique. Les produits arrivent en Jamaïque, ça veut dire que le fait qu'il y ait la possibilité pour l'exporter, ça veut dire qu'il est compétitif. Pour nous clair sur ça. Le fait que les produits arrivent en Jamaïque, l'importateur jamaïcain a dit, monsieur, bonsoir, on va bien. Pour qui ça que nous ne pas importer des produits sur la base de produits CARICOM? Parce qu'Haïti, c'est même CARICOM. J'ai dit, oui, mais ça qui impacte ça bien. J'ai dit, soit importer des produits sur base. On est un membre de la CARICOM, produit pour la 25% moins cher. Déjà, le fait que la préportée, ça veut dire compétitif. Et deuxièmement, si on rentre sur la base du marché et unique de la CARICOM, ça veut dire 25% moins cher. Et ça fait, entreprise a retourné vers le ministère du Commerce, mais c'était tout un problème pour être capable de certificat, sacré certificat d'origine qui permet de bénéficier. Et pour nous-mêmes, nous capables d'intégrer CARICOM et participer dans le commerce des marchandises pour nous voir vendre dans les pays, il faut que nous résolvions le problème ça, que nous avons parlé à renégocier avec l'OMC et que le Parlement lui-même prenne des dispositifs pour voter non seulement la tarif fixée au commun, mais un petit bagage qui est important que nous-mêmes en Haïti, nous parlons de lui-même négliger. Les normes, le Bureau national des normes. Parce que je dis à là, et nous clairons sur ça, quel que soit l'effort que nous avons fait, surtout dans le domaine de l'agriculture, dans la production, si que nous pas mis ça que le Bureau national des normes, nous n'avons pas une situation, nous pas compétitif par rapport à l'autre pays. Mm-hmm. Ah, ça veut dire normes pour capable respecter qui ça, standardisation de produits? Bien sûr. Mm-hmm. Dire là, mais bon effort à un certain moment qui était fait, Peterson, Benjamin Noël, dans la question de traçabilité produit, puisque quand même, ça, c'est presque une exigence pour nous être capable d'exporter.
Oui, c'est une initiative que le ministre a commencé à l'époque de l'été ministre et qui est très louable, que nous trouvons qu'un bien, mais pas oublier. L'homme, le premier barrière qui fait l'homme, c'est la loi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une loi qui crée, ça crée le bureau national des normes, n'importe qui qui parle de l'homme. Et deuxième barrière là, c'est mettre les gens avec équipement pour faire des tests. On dit qu'on ouvre une entreprise agricole en Haïti qui voulait exporter vers le monde. On peut être pour les États-Unis qui dit depuis 2014, pour capable, même question de la stabilité, pour capable d'exporter vers les États-Unis, il faut qu'on soit capable de tracer comment produire ça en fait. Même si on a un petit monde, on dit le fait que je dis à la, là, l'école, on a toute l'histoire côté que si on a passé les États-Unis de l'université. Les États-Unis exigent ça pour les produits agricoles. Mais je dis à la, lorsqu'on a une entreprise agricole, pour être capable de passer le nom, on a besoin entre 100 000 et 200 000 dollars américains pour passer le nom. Dis-moi, qui entreprise en Haïti, je dis à la, qui est nécessaire pour passer un examen nom pour exporter vers les non, pour qui ça, non, pour qui ça investissement, enfin, pour qui ça dépense ça, pour qui ça? Parce qu'on n'a pas un bureau national des normes. Si on a un bureau national des normes, on a en mesure pour certifier compagnie ça localement, on a une balle sous forme de subvention, on a une balle sous forme de crédit, n'importe qui barrait. Mais entrepreneur lui-même, il n'est pas bien pour le mettre 100, entre 100 et 200 000 dollars américains juste pour le passer en norme. Que les États-Unis, le Canada, l'exigent. Ou pas capable d'exporter des pays ça, ne sont pas passés une norme qui spécifique à produire ça. Ça veut dire que le bureau national des normes sont des choses qui sont extrêmement importants. Et nous capable de bon message surtout à parlementaire, bien que nous avons fait pour voter. Loi sous norme. Qu'est-ce qui fait plaidoyer? Non, mais dans la session de travail, président Jovenel Moïse a fait avec parlementaire il y a une semaine, dans parmi 50 lois et projets de loi qu'il soumet, une loi, c'est ça. Parmi les lois, ça là depuis 2011 au Parlement, il n'est pas jamais ratifié. Et président Moïse remettait encore. Ok, mais qu'on y a, est-ce que quelque part, et Peterson Benjamin Noël m'a rappelé, c'est ambassadeur de Haïti près de la CARICOM, et est-ce que c'est pas un problème de vision et qui posait pour nous-mêmes comme pays, de la mesure où. En pile fois, nous chita nous plus à prétendre que l'on j'aime ben nous entrer dans la facilité, à, sans compter corruption, on a vu une souli après, et cap, d'agadi, gangrené tout système et l'État. Gede l'autre pays, par exemple, qui tout près nous là, on ne peut pas être nous menti, qui eux-mêmes, malgré que t'es isolé, Cuba c'est une, par exemple. Mais ça pas empêché que Cuba, li, rende tête li, d'agadi, assez compétitif à l'interne, et pour permettre que au moins les subvenir à besoin et population sans que le pas aide à gauche aide à droite il pas rentrer dans tout bah ça donc ça veut dire que bon question de choix la question et Peterson Noël bon on prend un exemple qui est capable qui est capable de contrer par rapport avec situation Cuba je veux dire malgré tout ça veut dire c'est 14 milliards d'importations c'est-à-dire Cuba a dépassé 14 milliards de dollars pour importer produits. Cuba, c'est un pays qui a une stabilité politique dans la région. Ou pas qu'à faire business, ou pas qu'à faire économie marché, lorsqu'il y a une stabilité politique. Ou pas qu'à faire économie marché lorsqu'on fait deux après l'élection, ou pas jamais qu'à élire un président. Ou pas qu'à faire économie marché lorsque tout passe à niveau même une manifestation. Et deuxièmement, bien content pour l'exemple, là, le fait que Haïti n'a pas eu comme, Haïti a un accord tacite avec Cuba, un accord de libre-échange tacite avec Cuba et son accord préférentiel. Côté que nous avons capacité pour nous vendre Cuba des produits et produits ça le que Cuba pas mettre droit de douane. Et Cuba si la boue produit venir nous n'a pas droit de douane. Je dis là nous pas qu'à profiter de lui et une raison que nous pas qu'à profiter de lui c'est parce que nous fait trop désordre politique dans le pays. On parlait de région. Monsieur, que vous avez chance pour voyager au niveau de la CARICOM. Nous avons certaines complexes par rapport à surtout petits pays, ça, que nous avons des petits pays. Mais, c'est des pays, là, pour une population totale, il y a environ 10 millions. Mais 10 millions, maintenant, mais c'est des pays tout qui reçoivent presque deux fois la valeur en termes de tourisme. Et là, aller, Antigua, Bahamas, Barbade, et Saint-Kitts, etc., c'est des pays côté touristes.
et c'est le moteur économique. Il y a trois bagages. Soleil, la mer, sable. Nous même pas oublié, nous avons tout ça. Ça avec trois bagages, ça fait économie au marché. Mais les touristes sont venus, salement, sale boue. Nous devons payer là même même blou importé. Je dis à la nous-mêmes, le fait que nous avons quand on a des bagages dans l'autre gens, comment que nous avons produit pour nous voir 20 balles? Et pas oublier de dire que le fait que nous avons une situation de pays moins développé dans CARICOM, nous voulons faire que lorsque nous voulons vendre un produit, nous n'avons pas nécessairement besoin d'importer produit ça, nous avons mis des droits de douane sur produit ça, pendant que nous à l'intérieur même de CARICOM. Et ça fait que des pays qui commencent lorsque nous avons une certaine stabilité dans la fin des matériaux, etc. Il y a des pays qui commencent à s'intéresser pour comment, de quelle mesure, pour venir investir en Haïti, même j'ai affaire pour ce secteur textile là. Venez investir en Haïti pour vous vendre aux États-Unis. Il y a des pays qui commencent à voir que dans quelle mesure pour profiter du marché Haïti pour venir produire en Haïti, pour vous vendre Cuba qui c'est 11 millions d'habitants, pour vous vendre dans la région qui sont 11 millions d'habitants. Ce qui fait que entreprises, surtout des entreprises mexicaines, nous avons des discussions très poussées avec eux, c'est pour venir en Haïti, venir produire pour être capable de profiter d'un marché qui est estimé à plus de 40 millions d'habitants. Ça veut dire que c'est des bagailles, nous pas qu'à faire ça où, lorsque nous avons battu entre nous, lorsque nous avons fait ok, mais maintenant, ça. D'accord, mais maintenant, et le par exemple, je me suis dit, fois intervention et dans une faculté, alors je me expliqué aux étudiants que ça peut arriver que je décide de faire un business et puis moins bénéficier de l'avantage que le business est capable d'offrir en tant qu'investisseur, moi-même entrepreneur, pour le business qui c'est business PAM. Mais comme ça, tout, je suis capable de bénéficier d'un business qui existait, par exemple. Et je me suis expliqué que il y a un connexe qu'on est capable de créer, on est un hôtel, et pour même, on fait tout organiser. OK? Et on a fait quoi à partir de tout là, mais à partir de hôtel là qui existait, évidemment, ou bien un resort quelconque. D'accord? Maintenant, gagner une logique de joint venture que vous développez pour permettre que moi prends un contrat. Contrat, il besoin 5 éléments. Moi dit moi m'ka fait 2 éléments, m'a chercher qui l'autre monde qui capable faire 3 autres éléments yo. Et dans assemblage là, c'est ça nous fait véritablement. Mais là encore, Haïti pas suffisamment bénéficié de lui pour plusieurs raisons. D'abord, il estime que investissement que nous fait dans secteur ça trop petit. Et deuxièmement, que toi parler ya avec nous. Leur commander par exemple 100 000 douzaines pantalon et nous toujours gagne une excuse que n'a bail soit t'es gon problème et t'es gain problème énergie et t'es gon problème courant dans zone ça m'te gon génératrice ça m'te chercher pièce là pas disponible. Ensuite, nous avons voué et conteneur à aller ou la saline n'était bloqué parce que des manifestations pour ceci des manifestations pour ça. Donc là encore, malgré fou et non démarche de joint venture, nous pas capable de bénéficier de lui à cause de l'instabilité à toujours. Oui, mais exact comprend Valérie, c'est intéressant. Mais ma majorité, non seulement nous avons une instabilité, mais ma majorité tout, de mon domaine textile, on pratiquement tombé dans sa formation professionnelle. Malheureusement, nous-mêmes, nous puissions focus sur des non qualifiés, mon café dernier mai, on a dans la production, mais on a sacré formation professionnelle. Parce que pour fond, on n'a pas industriel. Pour fond usine marché, au besoin, mon quoi paye 200 gourous ou 250 gourous par jour, mon besoin manager, qui s'en est. Mais dans le temps, il y a ensemble de monde qui ne parle pas. Et monde ça, le plus souvent, c'est là-dedans que c'est lui qui fait les véritables valeurs ajoutées. On mécanicien, on est capable de préparer la machine, on monde qui fait design, couper produit, couper gadla, tout ça. Malheureusement, je veux dire, nous-mêmes en Haïti, nous pas contrôler secteur ça. La textile, je prends exemple là, majorité produits coupés sortis soit avec Dominicaine ou en Chine. C'est-à-dire que nous avons publié un article il y a un mois dans le Nouvel Livre, quand il m'a expliqué ça, pour dire que la valeur ajoutée de 1 milliard d'exportations qu'on fait des États-Unis, hein, si nous faisons calcul là, nous pouvons réaliser pas même 300 millions de dollars américains d'exportation. Parce que nous, on a une situation côté que nous réexportons la valeur ajoutée des biens importés. Si tu as, c'est pas nous faire, coton, c'est pas nous faire, c'est pas nous couper, design projet, c'est pas nous faire, publicité, c'est pas nous faire. En fait, si ça nous fait nous-mêmes, nous puissions résumer
autour de et confection, hein? Donc nous coudons, nous lavons et nous ensemble d'autres éléments qui entrent. Alors, quand il va l'ajouter, il va même aller, il va même dépasser 20%. C'est-à-dire, dans 1 milliard de dollars américains que nous avons exportés vers les États-Unis, sur le textile, là, ou capable, grosso modo, où est-ce que va l'ajouter, parce que nous-mêmes, nous entrons comme production nationale dans le textile, là, il y a autour de 200 millions de dollars américains. Et ça fait formation professionnelle à des techniciens. Regardez qui est-ce qui a préparé les génératrices. Les machines en panne, qui est-ce qui a préparé? Ce n'est pas des Haïtiens. C'est Philippins, c'est les Dominicains. C'est les Bangladesh. C'est Dominicains, tout. Dominicains, parce que les vins moins chers pour compagnie, parce que Dominicains sont à côté de moi. Et pas oublier, c'est monsieur Sao qui fait cobla. Revenu monsieur Sao, 20 fois plus cher, parce que le monde a payé 200 gouttes à jour. Et c'est Sao pour essayer de contrôler. Si nous devons contrôler effectivement le secteur textile là, pour nous faire comme là dans le véritablement, il faut que nous montions plus haut. Oui, et même dans le niveau transport aérien, même dans le niveau, par exemple, transport interurbain, où on nous compte que, par exemple, un anti-avion ça ou là, que c'est haïtien qui a piloté, non, c'est dominicain, jamaïcain. Bon, ça lui-même, on pouvait un pilote qui pas. Et l'autre homme de penser son barrage qui était sophistiqué. On vient en pilote par c'est une question de décision. Nous avons un pilote en Haïti et nous choisissons premièrement et pas entrer dans le secteur et deux trois gars avec une dégaine soit nous vendions ou bien quitter au gazé. Nous négligeons. Et il y a des efforts qu'a fait. Nous commençons à avoir des pilotes en Haïti. Et d'ablier son secteur qui contrôlé. Et pour piloter avion, on a un minimum d'expérience, on a notre heures de vol pour faire. Et ça prend du temps. Et on connaît que l'administration actuelle a gagné un projet pour ça. Et pour même mettre un partenariat avec certains pays pour mettre en école pour permettre okay, à ces okay. Maintenant, je dis, là, le NAPGADE et Haïti par rapport à toute faiblesse que nous avons dit là, toute manque, toute faille, etc. Et qui ça nous y est dans le CARICOM, je dis, ça veut dire qui ça nous occupe comme place là dans le CARICOM? Qui importance nous dans le CARICOM? Au moment où nous avons intégré, l'importance de Haïti, c'est le pays qui est plus grand dans le CARICOM. 11 millions de personnes sous et MDKD sur 18. 10 millions sur 18, c'est facile que nous considérons comme ça. Qui veut dire que nous avons alloué le plus gros marché dans le CARICOM. Mais pas oublier, nous avons intégré le CARICOM, nous avons considéré le CARICOM en 2002 comme un espace politique, purement politique. Nous n'avons jamais gardé le volet économique, nous n'avons jamais gardé le volet social. Et c'est une raison que nous avons adopté d'accord, pendant que nous sommes plus que moitié population CARICOM, nous sommes d'accord que la langue officielle CARICOM et la langue de travail, c'est anglais. Nous n'avons jamais fait un effort pour ne pas se faire effectuer comme un, parce que, un, nous devons mettre en 95 pour milliariser, on dit que nous décidons que nous n'avons jamais protéger marché nous. Et qui ça CARICOM? Et un peu manqué pour CARICOM, si vous voulez développer et développer pays, je pense que CARICOM a un modèle ou bien qu'on excuse pour nous-mêmes, rentrer dans CARICOM a un excuse pour nous capables de développer pays. Pour qui ça? Il y a une exigence CARICOM pour nous capables de participer dans le marché économique, marché unique de la CARICOM. Il dit que le marché est trop ouvert. Il ne peut pas accepter pour Haïti de faire commerce, de l'échange à faire avec nous, lorsque le marché est comme ça. Et ça signifie, je le dis lorsque je marche là comme ça. Au pays, n'importe quel pays dans la région, pour l'export on bien des marchés CARICOM, il y a appliqué ça que le tarif extérieur commun de la CARICOM. C'est le tarif qui est appliqué sur les pays hors CARICOM. Maintenant, le tarif, ça, sur le plus souvent, c'est des tarifs qui sont plus ou moins élevés, dépendamment du produit. Il veut dire qu'avec Haïti, qui est un pays qui est totalement libéralisé, si nous décidons intégrer CARICOM, Jean Lia, et ça c'est CARICOM beaucoup d'accord pour les des marchés uniques comme ça, ou qu'arriver dans une situation pour que il y a des pays qui utilisent Haïti comme lieu de transit pour exporter des biens vers le marché régional. Je dis à là, si vous pouvez inverser un cas réel, qui passe avec la République dominicaine, les données de l'exportation dominicaine vers Haïti, moi-même, moi, je dis que il n'y a pas nécessairement reflété ça en statistique. Il a parlé de questions 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 2 milliards de dollars américains d'importation de la République dominicaine. Pour qui ça? La République dominicaine, c'est le pays dans la région qui a deux accords de libre-échange avec les pays de l'Amérique centrale et un pays d'Amérique centrale avec les États-Unis. Ce qui veut dire que
Il y a un ensemble de pays qui ont besoin d'exporter vers Haïti, les pays de l'Amérique centrale, ils n'ont pas besoin de faire effort pour vous produire directement vers Haïti. Vous passez par la République dominicaine, zéro droit de douane, et c'est ça qui va le faire que votre gouvernement tellement élevé en Haïti, qui vient de faire que produit sur le Guatemala en Amérique centrale là, zéro droit de douane en République dominicaine, et vous passez frontière à zéro droit de douane, et qui vient faire une sorte de concurrence déloyale en Haïti. Mm-hmm. Et c'est exactement ça pays qui a été parlé avec Haïti, et qui ont exigé Haïti pour que les prennent des mesures pour lui-même, lui, capable de renforcer ma chimie, augmenter ta région, mettre le bureau national des normes et des standards pour contrôler bien qu'à rentrer mm-hmm. et passer des lois qui s'appellent. Ok, seul inconvénient, Pelvin Gela et Peterson Noël, c'est que si par exemple nous et augmenter le droit de douane, ok? Et ça veut dire que ma importe un produit, m'a besoin de payer plus pour me dédouaner li. Et automatiquement que m'a besoin plus pour me dédouaner li, ça veut dire que ça moi-même comme businessman, entrepreneur, commerçant, pral faire comme calcul pour bénéfice, le sale pral obligé pio, c'est-à-dire pral obligé ajuster prix là puisque et bénéfice c'est quand même prix de vente là moins prix de revient. Donc automatiquement que prix de revient qui c'est prix d'achat plus frais li vinn pi wo m'bral obligé faire prix de vente là pi wo tout pour ta capable répondre à une certaine logique il faut que parallèlement nous-mêmes en Haïti nous t'a produit pour éviter concurrence déloyale là justement si produit à trop bas le saute là-bas or le fait que nous pas produit rien ici et nous besoin produit ça justement que n'a pas importé là Sylvine Pichet, c'est pas là, c'est sous clou pour monde qui besoin pour manger, pour consommer. Où est logique là? Et d'accord avoir et logique d'accord avoir que dès qu'on vit une ensemble, d'abord dit que et lors prendre des mesures économiques qui parlent nécessaire mathématique pour dire un et deux plus bon trois. En plus, il faut avoir une bonne gymnastique pour faire et bien content que t'as vécu une ensemble par rapport à des productions. Il n'a pas encore dit. Travail que nous faisons aujourd'hui et ensemble des mesures à faire. L'autre point de mesure économique, ça, c'est comme en diplomatie. Résultat, on va jamais immédiat. Mm-hmm. Je dis à la ça que m'a fait là, j'essaie de donner à mon pays que moi, m'en pile, en forme de protection dans 20 ans pour Haïti que m'en ai, je dis à la. Côté que l'Haïtien de 2017 est beaucoup plus pauvre que l'Haïtien de 1997, pour m'assurer que l'Haïtien de 2037 est plus riche que l'Haïtien en 2017. C'est ça que m'en voulais faire. Qui ça, ça va le faire? Mbaye tèt mwen hypothèse que nous suspend bataille entre nous, suspend tes crises politiques, nous suspend et fait des autres. Mm-hmm. Maintenant, l'enfin suspend fait des autres, n'a pas à tête reposée pour nous prendre des mesures, pour nous pas à pas, pour nous commencer. Ouais. Je dis à mon faut, que à tous les niveaux, il faut nous suspendre, faire mauvaise élection, il faut nous suspendre. Ouais, tout bas, ça va. Non, mais c'est Samuel Do, Je dis à l'avec exporter Colflex. Et exportateur Colflex, ça a une activité à dire à matin, bon, déjà en retard. Parce que je pense que je pomme la population et des informations par rapport à ça qu'il a fait. Un producteur de conflits, ça là, monsieur a à peine il y a 10 ans depuis qu'il commence à produire. Ça veut dire que monsieur prend le risque, malgré qu'il n'a pas tenté de faire une crise politique, là, il fait. Maintenant, monsieur a écrit mon lettre pour dire que ça n'a pas fait très bon, mais même ça me voulait. C'est ce genre de conversation ça, qu'il commence à faire avec le pays. Ouais. La politique commerciale du gouvernement, c'est l'affaire du mais qu'on y a, privé. Très bien, mais qu'on y a comme ça qu'on le niveau là, comme ça vicieux. D'abord, ou gen, n'est qui gen en pile l'argent ici, là, par exemple, il n'y a pas quoi dans la production. Ok, c'est presque un spéculateur que lié, son n'est cap vécu, etc. Voilà que n'est que ça a fond investissement dans la politique là, il finance son pouvoir politique. Et puis, automatiquement, ça a besoin comme retour ascenseur. C'est contrôle douane là par exemple, c'est contrôle APN là par exemple, et là ça automatiquement on vient presque pas qu'à dire là et puis le prend contrôle là comme c'est l'importation que lié et puis sortant des salves là c'est lui même qui passe soit on dit là c'est pour la galerie. Allez soit dit là on va expliquer des situations qui sont faites dans le temps et pas connait si le fait qu'on y a là mais ça me veut dire c'est ça on a parlé là pour commencer suspendre ça pour soit dit pas fait. Faut qu'une cachita, l'État chita en face, secteur privé chita, c'est pas ennemi pour nous chita pour nous planifier pays. L'aime pas de politique commerciale, c'est l'affaire du secteur privé, mais qui est géré par l'État, c'est ça me le dit. C'est-à-dire que
moi-même qui l'État, moi pas capable de façon délibérée choisir prendre des décisions dans politique sur le plan commerce sans que moi pas joindre un certain support du secteur privé là-dedans. C'est-à-dire que automatiquement fait ça. Alors, par exemple, bon, on va faire publicité pour un produit, même pour n'importe quel produit, on prend la bière Prestige. Le jour que Brana a décidé de porter bière Prestige là vers les États-Unis, on n'importe quel pays. Le jour que Biesa a quitté entrepôt douane, entrepôt Brana, lui venait à la douane mettait sol sous lui, il scellé, conteneur sa partie, conteneur Prestige ça suspend propriété Brana. C'est ça qu'on commence à comprendre. Il devient automatiquement propriété de l'État haïtien. Il devient propriété de l'État haïtien, il devient fait que l'État haïtien doit produire sa protection jusqu'à ce que le riz vienne dans la bouche consommateur finale. Mm-hmm. Et c'est ça le pays qui fait en Haïti. Après, grand pays qui a des attachés commerciales. Attachés commerciales, là, qui s'allient, ils là pour la veiller les intérêts de l'entreprise Lyon en Haïti. Mm-hmm. Je dis à la nous avons pléthorique de hier, on était à des émissions là, surtout qui te parlait des affaires étrangères. Nous avons pléthorique de diplomates, mais surtout en République dominicaine. Mais l'entreprise nous dit ne pas exploiter en République dominicaine. Pour qui ça? Parce qu'il n'a jamais eu, dialogue entre le secteur privé et l'État qui vous dit que monsieur, si nous voulons exporter, mais comment pour le faire, mais comment l'État va. Oui, mais les commissions haïtiano mixtes et gain plusieurs outils que négocier c'est envisagé ça passe fait que c'est Dominicani seulement qui bénéficie de eux. Non, c'est que question ça pas en question de commission. Ça c'est une question interne, il pas aucun rapport avec pays étranger. Mm-hmm. Moi-même, pour que nous besoin exporter vos pays, au pays X, moi gagne moi connais que mes intérêts dans pays ça m'a moi gagne un monde ou attaché commercial qui pour assurer que chaque fois mon problème pour l'intervenir. Un importateur en République dominicaine qui a importé un bien en Haïti. On bien en Haïti. Bien arrivé quelque part au niveau de la frontière, bon douanier bloqué, bon militaire bloqué, etc. Cet importateur dominicain n'a aucune entrée dans le gouvernement dominicain pour leur demander aucune question. Et l'exportateur haïtien n'a aucune entrée. Et c'est ça qui passe régulièrement en Haïti. Parce que nous défaçons, parce que le fait qu'on ne pas dialoguer, entrepreneur, par contre, on est que Paul fonctionne avec l'État pour l'exporter, lui fait appel pour Paul, et lorsque il y a un problème, tout, l'État va quand même intervenir. Oui, mais l'État a tout manqué et vend question. Parce que ça qui nous fait, c'est que, par exemple, nous gagnons un code des investissements. C'est tout le monde qui, par exemple, dans le secteur des affaires-là, qui est au courant de tout élément qui est dans et code des investissements, très certainement. Maintenant, vous connaissez des gens qui disent, et je ne sais pas Peterson, qu'on a dans l'activité là. Oui, c'est vrai, mais il y a des gens qui croient que une approche d'affaires, c'est pour nous considérer le marché financier Caraïbes là tout, au lieu de nous prendre l'aspect économique là seulement. Non, c'est un monde qui croit que mettre l'argent en dernière position. L'argent, c'est le dernier bagage, comme si vous le mettez, c'est d'abord se organiser pour organiser le pays. Et comme on a dit sur la question d'exploitation, qui est important, il faut que nous capables de dire l'État, nous dit que le secteur privé a mis qui s'allie. Je vais retourner parce que, excusez-moi, je vais retourner avec la question là. Parce que les Dominicains nous-mêmes bloqués, hein, c'est seulement l'ambassadeur de la République dominicaine qui vient entrer, qui est capable soit solliciter une audience du ministère des Finances ou bien du ministère du Commerce pour lui poser la question. Et on a vu que, non, chaque fois que nous avons des problèmes, surtout avec la République dominicaine, depuis une fois, il faut monter le dossier nous bien. Dominicani pas, j'aime pas une chance pour soit aller venir au OMC ou bien que Batavel. Soit il cherche aux gens de détourner les questions, hein, ou du moins utiliser d'autres artifices pour être capable de venir résultat. Je dis à la, invité, et c'est ça que je dis, et dans l'activité que nous avons fait dans Adia, pour que la communication, ça dialogue entre le privé et l'État, faut le faire plus. Et si nous besoin exporter, nous n'avons pas qu'à faire, pourquoi faut nous faire avec le secteur public, etc. Maintenant, pour l'autre côté, on parle pour ne pas focus sur l'économie. Bon, économie, finance, et bon, parfois, on passe de l'une à l'autre sans qu'on ne parle. Même, j'aime d'où là, l'argent, finance là, pour moi, c'est l'im toujours mettre en dernier. Pas jamais de problème, l'argent, lorsqu'on bien prépare un dossier, lorsqu'on bien organise l'activité. C'est pays à organiser, si nous ne pas battre entre nous, si nous gardons la science, nous suspendons tout le monde vers la science. Je dis à nous, pas de problème, l'argent pour nous développer le pays. Premier effort pour nous faire, c'est l'autre pour nous mettre.
Et c'est ça qu'on a fait dans le domaine commercial, c'est ça qu'on a fait avec ADI, c'est ça qu'on a fait avec Forum, c'est ça qu'on a fait avec tout le secteur qui est intéressé. Mais vous m'avez dit, moi, insister, avant que je finisse, c'est important. On a dit que les gens qui ont distribué les produits, qui ont importé, le travail que nous avons fait là, n'a pas eu aucun impact direct sur l'importation, sur le tarif douanier qui peut appliquer aujourd'hui et qui peut appliquer très prochainement. Son protection qui n'a pas été non. C'est comme si mon Timon nous dit que Timon a 5 ans, je dis à l'université à 18 ans, je vais mettre l'argent à la banque pour que je vienne à 18 ans, pour moi-même, je vais avoir un gros saisissement, je vais avoir l'argent pour m'investir. C'est ça qu'on a fait. On est en train de donner à notre cher Haïti un minimum de protection qui, dans 20 ans, pour que l'Haïtien de 2037 est beaucoup plus riche que l'Haïtien de 2037. Sauf que, dernière question, Peterson Noël. C'est que faut quand même signal que nous voyons, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur du pays, pour que nous nous sentions confortables avec eux. Une chose qui écrase nous, c'est que nous avons gagné plus d'argent qu'à rentrer en Haïti. Et c'est vrai, mais qui s'en fait avec l'argent, c'est notre débat. Et corruption, gaspillage, etc. Je dis à vous qu'on n'est pas gagné dans l'État du tout qui fait en secret. Ouais. Par exemple, regardons une demande qui est juste faite au niveau du ministère de l'Intérieur auprès de Finances. Et même moment le fin de fête là, il est dans la rue tout de suite. On y a 100 millions de gouttes que on mandé pour 1er mai à 18 mai. Là qu'on y a ou garder li ou dit tête quête. Bon, on y a pral gon caravane. Le caravane n'a fait à l'intérieur du pays. Si pour 1er mai à 18 mai, planification coûte 100 millions de gouttes. Sauce poisson risque vin plus cher que poisson hein? Donc dans cas ça au lieu n'a monter descendre faire caravane, il devrait n'a plus simple que qu'on y a nous juste voyer comme là directement pour financer des projets directement au lieu que un déplacement pour coûter toute l'argent ça. Ouais, ça veut dire que bon, on parle de sauce poisson, on parle de sauce poisson pour coûter plus cher que poisson, même pas plus idée. On va éviter parler de ça parce que pas en sécurité, pas cadeau et sur le côté comme ça. Et moi plus ou moins vérité et parce que c'est exactement ça n'a pas parlé là. On peut pas fonctionner comme ça. C'est pas possible. On pas voilà, on pas évaluer. Est-ce que le ministère de l'Intérieur, ça que le a coûté 100 millions? Pas qu'on n'est pas expert, pas qu'à opiner sur ça. Mais pas possible pour que on note interne du ministère de l'Intérieur, voyez par le ministère de l'Économie et des Finances, quelques minutes après pour le sujet social. Même si que n'a pas de transparence, n'a pas l'est pas logique. L'État n'a pas fonctionné comme ça dans aucun pays au monde. C'est de ça n'a pas l'air. Si bien pour critiquer, il y a des institutions placées pour ça. Il y a des parlements, des coups de porte, ou ensemble d'institutions, mais pas possible de combattre cette dame dans l'État, minute après, et tout ça. Et ça, autour, c'est des images qu'on voit par l'État, par l'autre monde. Oui, mais monde qui fait là, Peterson Noël, monde qui fait là, c'est secrétaire qui tape là, c'est messager là, c'est administrateur. Mais c'est yo. Parce que le fait que nous mettons, nous fait il y a, nous fait près de 40 ans, Valérie, on a payé, est-ce qu'il y a 20 ans, ça te compte pas? Vous avez tout niveau technologique, ça, non? Non, c'est pas une question de technologie. Fonctionnaires, c'est bon, avec les éthiques, ils connaissent que il y a des bagages qui ont pas fait. Oui, mais parce que vous mettez. Vous mettez aux affaires étrangères. Mais laissez ça. Enveloppe ministérielle utilisée seulement pour un usage officiel. Oui. Ce qui fait que, vous pouvez jamais moi-même, Peterson Noël, à utiliser. Soit on va utiliser. Non, parce qu'on a une formation pour ça. Moun ki fait là, c'est un ménage, un député, un sénateur, bon, un ministre, etc. Mais li pas dans le job, li pas dans le poste. Li, donc, très souvent. Non, mais peu importe, li pas dans le job, li, mais ça peut arriver, c'est parce que nous faisons des ordres. Et lorsqu'on fait des ordres, nous affaiblissons l'État. Mais c'est nous qui mettons. Et nous embauchons. Moi, je connais. C'est pas avec nos amis entrés dans le ministère, non? C'est-à-dire, régime de sanctions, c'est lorsque l'État est fort, nous mettons. C'est lorsque l'État est fort. Même c'est de ça que m'a prouvé. Le jour qu'une suspension fait des ordres, on n'est pas capable de sanctionner lorsqu'on monte fait des ordres comme ça. Ouais. Vous comprenez? C'est l'ordre que vous mettez dans le pays. Et pour nous développer le pays, et son obligation, on commence à garder la science. On regarde comment on va faire notre pays, comment on fait le bien, on applique le comme ça. Le jour que nous faisons, on a Haïti chez nous, ça, Haïti en Réméen, on a développé.
Merci beaucoup et Peterson Benjamin Noël et bon quand on prend l'activité à nous Kimbo, merci parce que vous êtes météo disponible pour nous parce que c'était important. Merci beaucoup, bonne journée. C'est un plaisir, bonne journée. Voilà. OK. Et tant de questions. OK. Parce que tout bas est l'état là oui et semaine ça. OK. Et même si je suis certain que si c'est ton bagage qui était dans l'intérêt de l'État, au contraire, l'État est très content que le transparent. Mais de pour quelque part, lui déranger, c'est que un petit problème technique là-dedans. Parce que moi-même, là, j'ai insisté pour me dire que il n'est pas normal pour que sauce poisson coûte plus que poisson. Si déplacement président pour activité qu'a fait du 1er mai au 18 mai, si le ministre de l'Intérieur a besoin de 100 millions de goudes pour ça, moi dis que dans le cas ça, au lieu que nous avons tout déplacement qui a fait et que qui a mobilisé tout fonds, mon cher plutôt que le projet a exécuté et puis l'agent a exécuté le projet directement. Vous comprenez? C'est comme si je me disais, je lâche ton produit, mon côté. OK, parce que produit a bon côté men produit a 25 goud et puis bon côté produit a 90 goud, m'a dit ah bon courir al prend produit a pour 90 goud et puis me paye 25 goud machine. Mais li vinn pi cher quand même. Donc ça veut dire que au lieu comme si m'da dou nan mise en place logistique comme si m'da dou gon quantité de bou k'ap fait, mon cher plutôt nous jwenn l'autre formule. Pas dit pour activité ou parfaite, non, mais plutôt non pays côté n'a parlé de austérité quand même, hein? Quand même. OK, on se retrouve demain pour une nouvelle édition de la rubrique invité du jour. Et puis cet après-midi, aujourd'hui c'est jeudi thérapie de l'origo en direct de Léogan. Si la pluie va tomber, si la houille une balle chance. À plus tard.